accueillons maintenant 3GK. Je m'appelle 3GK, je viens du Cameroun et comme profession dans la vie active, je suis informaticien. Mon parcours en tant que chanteur débute dans mes années de collège. J'ai participé à des concours locaux, j'ai gagné un particulièrement, bien classé dans les autres, donc l'évolution était constante. 3GK, bienvenue à The Voice. Bonjour, merci Claudie. 3 tentatives au casting et la 3e est la bonne. Et le fait de ne pas avoir été retenu à la saison 1 et 2 m'ont au contraire poussé à faire plus parce que je voulais être sûr que si je ne suis pas repris, c'est peut-être parce que quelque chose me manque. Mais pour le moment, ça prouve que j'avais raison de continuer. Alors cette fois, j'ai été retenu et voilà. Es-tu un danseur devenu chanteur ou un danseur-chanteur? J'ai commencé en tant que danseur d'abord, mais la musique qui faisant partie du tout m'a amené à vouloir faire un peu plus et à me donner plus sur scène. J'ai toujours été danseur et chanteur. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé tout ce qui était folklorique, danse, et j'ai toujours reproduit toutes les musiques et sons que j'entendais. Depuis tout à l'heure, la personne qui t'accompagne, présente-nous. Alors, c'est mon petit tonton, Christian Rachat. Tonton, parle-nous de ton neveu. Gaël, déjà, il a du talent. Ouais. Il travaille beaucoup et c'est une bonne personne. C'est le meilleur artiste que je connais. Je le soutiens tout le temps. On joue, on rigole, on danse. Quel coach souhaites-tu voir se retourner et donc intégrer son équipe? Mon cœur vacille entre deux coachs en fait. La personne, sans hésiter, c'est Papa Loukoua. Il n'y a rien à dire vocalement, sa maturité, tout ce qu'il transmet dans ses chansons, c'est toute une histoire, c'est toute une vie, quoi. Et l'autre, c'est la volupté, le ton soit suave et la douceur, quoi. Donc, ce sera soit Loukoua, soit Charlotte. 3GK, toi-même, tu sais, c'est tout à l'heure que ça se passe. Ah oui. Et avec tonton, on sera là. Ouais. Ouais. La première des choses, c'est, je me dirais à moi-même, vas-y, donne tout. C'est incroyable. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus stressé que lui. Bon. Notre danseur-chanteur. Papa Obama go, egay di wande mo. Na ese gina, dolo etiti longe. A ese gina, dolo etiti longe. Tu n'as pas compris. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle 3GK. Tu viens de quel pays? Je viens du Cameroun. Alors? Tu es un sacré homme de scène. Et à The Voice, on est en train de chercher du moins le talent qui va nous amener tout à fait à être plus que tous les autres.
Je suis triste parce que j'adore ce medley de Ndidi Angou que tu as fait ce soir. Effectivement, j'ai plus dansé qu'écouter le chant. Désolée pour toi ce soir, en fait. Mais en tout cas, magnifique voix. Merci. Tu as beaucoup d'énergie. Tu pousses les gens à danser, à être dans le rythme. Et ça, c'est camerounais, ça. Donc, c'était du Makossa. Et cette chanson que nous avons adorée, on ne regrette pas. Mais on espère que l'année prochaine, tu seras avec nous. Effectivement. La dernière phrase de Naanka qui dit « J'espère que l'année prochaine, tu seras là ». Évidemment. Et quand tu dis « évidemment voilà », », évidemment. Oui. Moi aussi. Merci. Tu as de la chance. Pour ton talent, vraiment. Kiki. On peut pas avoir un peu la musique encore? Ouais. Venez, on va tous danser quand même. On va danser. Ouais. Venez, on va danser. Je vous regarde danser. Papa Obamango, Egedimbuang est mort. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. L'échec est un pas vers le succès. Merci pour cette bonne ambiance, mon cher 3GK. Alors toi, mon gars, ouais.